Bonjour à tous, c'est Ria38, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, nickel. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Reconning, les royaumes d'Amalur. Et donc, on en était resté, désolé, c'est le bras du micro, la dernière fois où un mendiant nous avait revendu toutes ses merdes. Et il fallait revendre toutes ses merdes. Pour ma part, hein, ça aurait été que moi, je le rachète, hein, je lui donne les 1100 PO, et puis je balance tout ça. Mais non. Il faut les revendre. Bonjour. Besoin d'un lit. Gordon tient l'auberge. Il pourra vous en trouver un. Il héberge plusieurs visiteurs en ce moment. J'ai des objets à vendre. Je vais regarder ce que vous avez. Ces dagues sont bien usées, mais elles ont quelque chose de particulier. Je veux bien vous en donner quelques pièces. Tenez. Ah, il n'y a pas de problème. Tenez-vous tranquille. Je viens de les revendre pour combien, en fait? J'ai pas vu. Je crois que c'était 300 ou 400. De toute façon, j'ai plus de 4 millions, donc c'est pas vraiment ça qui va me ruiner. Alors, apparemment, il faut aller ici. Béjure. Bijure. Et bien sûr, la personne, elle est à l'étage. Parce qu'elle est en train de dormir, à tous les coups. Bonjour, voyageur. Ah non, elle est pas en train de dormir. Oh, toi, t'as une quête, toi. Pendant une seconde, j'ai cru que ces satanés libertaires voulaient me voler. Bienvenue. Je propose quelques articles alchimiques, si ça vous dit. J'ai des objets à vendre. Je suis un alchimiste, pas un vendeur de babioles et de déchets. Une minute. Cette étole, elle est tissée en fil de canéroc. Ça ferait un chiffon à dissolvant parfait. J'ai parlé un peu vite. Voici une pièce pour cet objet. Je vous en débarrasse tout de suite. Très bien. Toi, apparemment, t'as une quête. Allez voir Asken si vous venez faire des achats. Depuis ma dernière erreur, il ne me laisse plus tenir les comptes. Je l'aiderais bien, mais il ne me laisse plus approcher de ses registres. Puis-je faire quoi que ce soit? Eh bien, si vous pouvez réparer mon erreur, Asken me laissera peut-être l'aider à nouveau. J'ai envoyé plusieurs factures l'autre jour. Mais j'ai fait une petite erreur arithmétique qui pourrait nous coûter cher. Aucun client ne semble l'avoir encore remarqué. Vous pourriez récupérer ces factures, discrètement? Ouais, je vais en récupérer. Oh, merci. Il y a 5 factures en tout. 4 ont été remises aux habitants. Et un marchand itinérant apporte la dernière à Helmgard, la forteresse des engagés. Quand vous les aurez toutes, rapportez-les-moi. Non, et ne parlez pas de ça à Askel. C'était un plaisir. Pas de problème. De on fera ta mission secondaire après. Et boum, la porte dans ta tête. Alors, on va y ouvrir un petit peu. Vous êtes sûr qu'on est en pleine nuit, là? Plus tard, l'erreur de quelqu'un. Bienvenue au marteau. Bonjour. Les nouveaux visages se font rares à Aiten. Ma forge est ouverte. Mais si vous voulez vous entraîner, je suis votre homme. J'ai des objets à vendre. C'est Aratofer, hein. Je reconnais le travail. C'est l'œuvre de mon père. Leur surface est bien ternie. Et je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, mais je vais vous en débarrasser. Tenez. La forge est à vous si vous en avez besoin. Ah, mais de toute façon, je suis perdant en fait. Tout simplement, je suis perdant. Salutations. Étrangers, venez à Eaton. On ne voit presque plus personne emprunter ces routes ces derniers temps. Le malheur frappe Eaton. Nombreux sont nos maux et rares sont les remèdes. Quelqu'un doit se rendre au Cromlech d'Eaton. Quelqu'un doit invoquer les Rattels. J'ai des objets à vendre. Je vois que vous avez un anneau. Il est tout terni et aussi vieux que moi. Vous l'avez acheté au vieux Ratti, hein? Ce vieil ivrogne. J'ai votre argent, puisque personne n'a jamais voulu de ma dot. Le Cromlech Dayton? C'est un cercle de pierres. Ah oui! Lorsque leurs voix entonneront une certaine mélodie, les Rattel viendra et mettra fin à tous nos malheurs. Chaque pierre représente une note de la mélodie. Quand chacune aura été jouée correctement, les Rattel apparaîtra. Sinon, de grands malheurs viendront s'ajouter à notre infortune. Les pierres, je ne suis pas digne. Je ne crois pas qu'elles me joueront leur mélodie. Vous devez y aller. Ce doit être vous. Faites chanter les pierres. Je vais voir ce que je peux faire. Elle est horrible. Je voulais pas la faire, celle-là. Le Dayton se trouve au sud de la ville. Chaque pierre recèle une note de la mélodie.
Dans le bon ordre, elle compose l'air tel qu'il doit être joué. Mais attention aux fausses notes. Si l'air que vous jouez n'invoque pas les ratels, il invoquera des malheurs plus sombres encore que cette terrible époque. Un Bogart. Quel est l'air de cette chanson ? Tout le monde connaît la mélodie. Elle débute par la note la plus aiguë pour aller à la plus grave. Une petite minute. Ou est-ce qu'elle débute par la note la plus grave pour monter à la plus aiguë ? Enfin, si oh ça. Disparaissez. Alors, soit c'est la plus aiguë pour aller à la plus grave, soit c'est la plus grave qui va à la plus aiguë. Putain de bordel de merde. Oui. Ouh. Voilà, c'est la seule chose que je veux. On va le faire en passant. Soit de la plus grave à la plus aiguë, soit de la plus aiguë à la plus grave. Faut que je m'en souvienne parce que ce truc, ça m'a toujours, ça a toujours été une source de grand casse-tête pour moi. C'est ça. Parfait. Oh, il y a la buveuse de vie qui est là-dedans. Oh la vache. La facture. Je vois rien d'autre que la facture. Item. Oh, la cuirasse corinthienne. Cortienne. Hop, la facture. Oui, grand débarras, c'est terminé. Oui, tu l'as enfin compris. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin. Bon, en avant pour le cercle de Hayten. Qui est juste là. Il y a un moyen de traverser ou ça va m'énerver? Non, c'est bon, il y a un moyen de traverser. Il n'y a pas de barrière à votre champ. Alors, de toute façon, ça va être très, très simple. Il y a au total 5 pierres. Donc, ça fait note aiguë. Dégagé. Alors, pierre la plus basse. Basse. Pierre basse. Bon, ça, c'est la plus haute. Pierre centrale. Pierre haute. Si je le réussis du premier coup. A chaque fois, ça m'énervait. Je vous le dis clairement, hein. À chaque fois, ça m'énervait. Réellement. Hein. Et en réalité, là, avec vous, bah, je le réussis du premier coup, quoi. Impressionnant. Je sais pas ce qui m'arrive. Vous me donnez de la chance. Vous avez joué la mélodie. Et les ratels n'est pas apparu. Je croyais que les choses allaient changer. Mais non, la bénédiction des cieux ne descendra jamais sur nous, tout comme les pertes d'Hayton ne seront jamais comblées. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Disparaissez. Bah, c'est gentil à toi, hein, mais bon. L'autre, hein, il est parti à Emgard. Alors,
quête. Hop, erreur de calcul. L'héritage des Astères. Ah oui, complot. Fragment éparpillé. Ah ouais, 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 ouais. Erreur de calcul. Tu es où, mon petit? Ah bah, il est quasiment au donjon de M-Guard. Ah bah, il est mort. Parfait ça. Hop, pièce d'art, facture. C'est pas la bonne. Item. Bonjour à vous, j'ai vos factures. Je crois qu'on approche réellement de la fin des quêtes secondaires là. Bonjour. Oh, merci infiniment pour votre aide. Je vais vite les corriger et les renvoyer. Tenez, c'est pour vous remercier. Je suis sûr que ça vous sera utile. Mais j'en veux pas. Mais j'en veux encore moins. C'était un plaisir de vous parler. Attends, inventeur. Non, pas accessoire, consommable. Bim, bim, bim. Hop, poubelle. Donne-moi ton brassard. Toi aussi, donne-moi ton brassard. Toi aussi, donne-moi ton brassard. Ah, mais ça me fait penser que peut-être que là-bas, il y avait encore des gars avec des brassards. Alors, quête. J'ai une quête ici. Rien du tout. J'avais pas vu le troisième sur la minimap. C'est bizarre. Hop, tout prendre. Et toi, t'as rien à me donner? Sérieusement? Bon alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Salut. Tu veux quoi? Te venger des libertaires? Dégainez votre arme! Non! Non! Je vous en prie, étranger! La folie de la rivière! Elle a contaminé nos céréales! Si on mange les céréales, l'esprit devient malade! Aidez-nous! Qu'est-il arrivé aux céréales? La rivière. Quelque chose dans l'eau contamine les céréales. Oh! Mais elles doivent être livrées à Messenshire! Elle risque de répandre la folie. Cranalt. Allez à Cranalt. Un homme étrange, Jenniker, y est allé. Il a dû répandre la folie dans la rivière. Aiten refuse de nous aider. Si les soldats mangent les céréales, ils finiront comme Denrit, en cage, comme des meurtriers. Bah, je vais vous aider. Jenniker, l'eau contaminée, Cranalt. Quelle est l'origine de votre folie? Nous avons mangé les céréales. Elles nous ont rendus fous. Les céréales, l'eau de la rivière, tout est contaminé. Il nous faut un remède avant que les soldats mangent des céréales. Un homme étrange, Jenniker. Il a remonté la rivière. Il l'a sûrement contaminée. L'eau...
Elle vient de Kranalt. Allez là-bas. Il doit la guérir. Ah ! Par les dieux ! Très bien. Ces visions ! Bon, allons à Kranalt. Ça a l'air d'être par là, Kranalt. Non, mais vous êtes sérieux, les libertaires? Viens là. Dommage que j'ai pas d'arc. Putain, des fois je me dis, je devrais être équipé d'un arc. D'un sacré arc, même. Fichez-moi, quoi. Non, j'en veux pas de ton chakram, tu le gardes pour toi. Et je veux pas non plus de ton marteau en azurite. Non, je veux pas. Alors, où se trouve Kranalt? Encore? Dégage. D'accord, c'est tenu par des moches gangs. Très très bien. Encore des moches gangs? Ah, j'ai pas envie de m'emmerder. C'est quoi ce truc? Examinez l'artefact étrange. Cet artefact a été utilisé récemment, mais il semble endommagé. Toi, t'es mort. Journal de Jennifer. Très bien, ça m'a validé automatiquement les quêtes. Sérieux? Purin toxique. Ah, c'est pas mal comme nom, tiens. Ah non, j'ai chopé des résidus toxiques sur moi, non. Ça, c'est loin d'être cool. Ah, il faut une clé. D'accord, donc c'est sûrement un levier pas loin. Toi, la plante, bouge pas. Oh, le purin toxique, c'est dégueulasse. Examinez porte aussi, d'accord, très bien, ça s'ouvrira pas. Donc, bah partons par là. Apparemment, le jeu veut nous faire passer par un endroit et pas par l'autre. J'ai dit non. Utiliser le levier. Ça va peut-être ouvrir la... Voilà. Ah bah je prends la potion de soin et puis c'est tout. Et par là, il y a quoi? D'ailleurs, ça fait comment? Ah ouais, c'est un cul-de-sac. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. On est à combien? 19. Ouais, je me préoccupe quand même du temps, hein, c'est important. Non, c'est pas un cul-de-sac, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Venez là, mes petits. Tenez. C'est cadeau. P-
pur, hein, toxique. Non, mais c'est sérieux, là. Toc, 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 toc. Je prends le blindé médu. J'ai pas peur d'autre chose. Ouais, on se rapproche inexorablement de la fin, justement, de Reckoning. Il reste encore, quoi, dizaines, peut-être une vingtaine d'épisodes, tout comme ça. Donc, je suis en train de préparer, justement, Skyrim pour la prochaine. Pendule de mana. Ah, c'est l'un de... D'accord, c'est un des trucs. Alors, je vous l'avais expliqué hein, la dernière fois, bien sûr. Skyrim sera avantagé. Donc, j'ai prévu comment dire ça, d'avoir un mode pour donner justement inventaire illimité et ce genre de choses. Parce que franchement, sinon c'est trop lourd. Bon, c'est trop chiant et c'est trop lourd. Donc, voilà. C'est tout, hein, c'est rien de plus. Mais sinon, à part ça, à part les mods, et à certains mods qui sont complètement dégueulasses. D'ailleurs, vous verrez, hein, y aura un petit côté RP dedans, malgré tout. Mais vous verrez, ça sera sympa. Moi, je me fais assez plaisir à le préparer, là. C'est-à-dire que je me fais quelques... quelques parties en solo, histoire de vérifier les modes, histoire de vérifier tout ça et compagnie. Donc, voilà. Normalement, tout ça est récupéré dans une pièce bien particulière, d'accord. Mais le truc, c'est que la pièce est beaucoup trop cheatée. Il y a des trucs... de fou furieux, quoi. Qui sont vraiment en aucun cas... à mettre entre n'importe quelle main, parce que le jeu peut très bien devenir complètement shit. Mais si je mets du poids, c'est pour éviter justement les gros allers-retours de fou furieux qu'il y a entre... dès qu'on a les 70 de poids de fini. Oui, je le dis par... en connaissance des causes. Hein. Désolé, mais j'ai quasiment 2600 heures sur... sur Skyrim, donc au bout d'un moment, effectivement, au bout d'un moment, on en a un tout petit peu marre. Chose dingue, je les avais pas déjà chopées les choses dingue. Je crois que si. Donc voilà, mais ce sera sympathique. Notamment, il y a un petit mode, hein, vous le verrez, vous le découvrirez en jeu, qui est très sympathique et qui donne un petit cachet en plus au jeu. Et franchement, je vais être extrêmement content de jouer avec, et surtout jouer avec vous avec. Ouais, supérieur. Comment est-ce qu'on ouvre cette putain de porte? Un levier proche. Vous savez, des fois, je me déteste. Mais je me déteste vraiment parce que je lis le truc, mais j'en tiens pas compte. Mais vraiment, j'en tiens pas compte. Donc, c'est détestable. Et surtout, vous êtes sûrement en train de me dire,
Mais il y a un levier quelque part. Il y a un levier activé. Il y a un levier. Et là-dessus, je vous répondrai, oui, vous avez raison, il y avait un levier à activer. Effectivement, je suis d'accord. Ah, et au fait, une petite chose, on définit repère. Hop, on vient le repère parce que... Voilà. Parfait. Bon, ça n'a pas totalement fait ce que je voulais. Mais bon. Ce sera pas mal. Potion de soins supérieurs. Oui, on prend. Allez, go. Ouais, on peut revenir facilement de par là. Il va falloir que j'aille me faire soigner, hein, moi, hein, parce que là, ça va encore me coûter cher, cette affaire. Faire soigner, c'est environ entre 10 et 15 000 PO. Oui, ça fait cher. L'artefact est à nouveau en état de contrôle sur l'eau qui s'écoule du... de Cranal. D'après le journal de Jenny Kerr, plusieurs configurations sont possibles en plus de la désactivation. Sanguine, phlegmatique et mélancolique. Alors attendez, on va lire ça. Inventaire. Objet. Voilà. Il est où? Journal de Jenny Kerr. Alors, quelle malchance, on dirait que ces recherches étaient vouées à l'échec. Ça ne fait plus aucun doute que l'artefact Cranal trouve bien son origine chez Niskaru. Malheureusement, il semblerait que la faune locale ait déjà mis la main dessus. Et pour couronner le tour, l'artefact a commencé à polluer la rivière et à contaminer la ferme tout près avec une combinaison de diverses magies. J'ai cru comprendre qu'il fallait une matrice de gemmes, une ceinture de fluidité et un pendule de mana pour pouvoir modifier la configuration des magies qu'il déverse dans la rivière. Espérons que le désactiver complètement. Putain. Les pièces qu'il me faut doivent encore se trouver à Cranal, car ces bêtes s'aventurent rarement au-delà. Il faut juste que je retrouve leurs traces, bien sûr. Une fois réparé, il me faudra déterminer la bonne configuration magique. Sanguine pour l'optimisme, phlegmatique pour la réserve, mélancolisme pour le pessimisme. La moindre erreur pourrait engendrer des résultats pour le moins intéressants, mais aussi potentiellement catastrophiques. L'optimisme, la réserve, hein, on peut rendre les soldats optimistes, ou on peut les faire garder leur réserve, ou alors on peut les mettre pessimistes. Essayons de voir optimisme. Optimiste. Allez, on va rendre les gens optimistes. C'est sanguine, hein, pour... C'est ça, c'est sanguine, hein. Là, j'ai mémoire de 2 secondes, poisson rouge. Bloup, bloup. Il est où, ce truc? Il est où, déjà? Le livre. Non. Ouais, c'est ça. Sanguine, oui, pour l'optimisme. Donc, on l'a rendu optimisme. Et je parle pas du bateau. Oh putain, Driade, ta gueule. Faut que j'arrête de faire des blagues de merde.
rapprocher. Ah mais ça me fait penser, faudrait que j'aille à la cabane de Derfel aussi. J'ai une quête là-bas. Allez, il n'y a plus de mobs, ils sont tous morts. Ferme des bondes. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des lustres. Mais je pense que les céréales sont toujours contaminées. Si les soldats en mangent, il doit rester quelque chose à Kranalt. Ah. Et alors? Mais je veux pas. Faut juste désactiver le truc, c'est ça? Ils veulent pas qu'on leur donne un côté optimisme et compagnie. Ça. Désactiver l'artefact. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Eh ben, on est dans les temps en plus. Bon alors. Par les dieux. J'ai enfin retrouvé mes esprits, et Danrit aussi. Tout est comme avant. C'est peu de choses, mais je tiens à vous offrir ceci en récompense. Merci. Vous avez du taf hein, pour rebâtir cette ruine. Hein. Quoi ? Donc, les amis, on a donc terminé avec les Hautes Plaines. D'accord ? Et donc, la prochaine fois, nous partirons pour Khandria. Parce que là-bas, il y a des choses à faire encore. Donc, les amis, pour ma part, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à votre santé. Et surtout, évitez de tomber malade. C'était Dria 38. Ciao, bye bye.